voyager à travers le temps. Camille, Hiro. Ah, j'aurais aimé voyager à travers le temps. Soprano, tu connais, non? Yeah, si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et Dinaya. J'aurais été à Sana, boycotter le décollage de la 310 de la Yemenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, dire que je m'occupe de sa fille, qu'il ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une ne balle atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été au Bahamas, pas pour les vacances, mais pour vider la soute de la Vulgaria. J'aurais aimé voyager à travers le temps. À travers le temps, j'aurais aimé voyager à travers le temps. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort. Puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter l'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime la vérité de ceux qui portent un nez rouge, j'aurais été crever les pneus de la moto à Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis aller voir la mer rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie, 2 heures après faire la marche du sel avec Gandhi. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. C'était Camille. Que la paix soit dans nos cœurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner, cliquez là. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez ici. Et merci encore.